On est venu ici en fait avec le mindset de vraiment jouer une partie simple et on a eu des chances à l'avantage numérique. On a marqué des buts à l'avantage numérique. On a été bien aussi en désavantage numérique. Donc je pense que ça a vraiment fait la différence dans cette partie ce soir. Evan a été blessé un peu au courant des dernières semaines et depuis qu'il est revenu, quelques blanchissages. Donc c'est vraiment bien de le voir garder les buts comme ça avant les playoffs qui commencent bientôt. On ne sait pas encore. En fait, il reste deux parties. On a une grosse partie contre Grenoble mardi à la maison et après on finit à Chamonix. Donc c'est deux équipes. En fait, Grenoble peut nous rattraper aussi en termes de points. Donc, ce sera deux grosses parties pour nous. Je pense que Chamonix se bat aussi pour une place en séries éliminatoires. Donc, il nous reste deux parties avant. Il faut s'assurer de bien faire dans ces parties-là. Et après, on va regarder qui on joue et on va s'adapter pour les playoffs. Et en fait, toutes les équipes dans la Ligue sont capables de battre n'importe qui. Puis, je pense que c'est sûr que des fois, il y a des matchs que ça va moins bien et tout. Et ça, c'est un des matchs à Briançon. Je pense que ici aussi, je pense qu'en début d'année, on avait eu un match ici, on avait perdu 9-1. Donc, je pense que ça arrive à toutes les équipes dans la Ligue de perdre des matchs. Je pense que toutes les équipes sont capables de gagner. Donc, ça arrive à toutes les équipes. C'est juste que c'est mieux que ça arrive dans la saison régulière que durant les playoffs.